le grand mur. Une fable du docteur Paul White. À l'hôpital, l'infirmier raconte l'histoire. Tous les animaux sont consternés par l'apparition soudaine d'un immense mur en plein milieu de la brousse. Que pouvons-nous faire ? La situation était grave. Il faut faire quelque chose. Comment passer de l'autre côté? Ce mur est très haut. Il semble très épais. Et le meilleur de la brousse est de l'autre côté. Et de ce côté-ci, ce n'est que poussière, désert, sécheresse, désolation. Il faut passer de l'autre côté. Tais-toi, Pavary, recule. Je vais foncer dessus et passer au travers. Rien n'y arrivera et nous retrouverons nos lieux favoris. Regardez-le, il va passer au travers. Boum, boum, boum. Bon. On ne peut pas passer au travers. Bien sûr que si, mais il faut de la force dans les épaules. Un bon coup d'épaule et je passe au travers. Il va sûrement y arriver. Un éléphant, c'est fort. Vas-y. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Boum. Il n'a même pas bougé de l'épaisseur de ta queue. Essaye avec l'autre épaule. Vas-y, au travers, au travers. Au travers, au travers. Au travers. Rien à faire, on ne peut pas se passer au travers. Pas moyen de passer au travers de ce mur. Toi. Pour les animaux froids, mais purs, il n'y a pas moyen, mais... Moi, Yen, Cirisée, Simali, je trouverai un moyen de contourner le mur. Voilà une mission pour les intelligents comme moi. Contourne-vous. Et le temps passe.
et toujours pas bien en vue. La voilà. Enfin ! Dis-nous ce que tu as trouvé. Inutile. Il n'y a pas de chemin qui contourne le mur. Il est sans fin. Pas moyen de contourner le mur. Ni de passer au travers du mur. Ça suffit. Vous vous voyez de trop fort, intelligent et rusé. Mais moi, le serpent, encore si souple, je vais me glisser sous le mur. Bonne heure, voir ça. Sous terre, il se glisse, se tord et se tortille jusqu'à... Enfin, un tourbillon de poussière près du mur. J'avais couvert tout le mur. Pardon, tu es toujours du même côté que nous. Yo, j'ai creusé tant de chemins dans la plus profonde obscurité. Aucun animal n'aurait pu en faire autant. S'il y avait un chemin sous le mur, moi, Zola, je l'aurais trouvé. Il n'y a pas de chemin sous le mur. Oh, oh. Pas de chemin à travers le mur. Pas de chemin qui contourne le mur. Pas de chemin sous le mur. Regarde-moi là, j'ai grimpé. Je peux grimper n'importe où. Tiens. Je vais grimper sur le mur et passer par-dessus. Reculez-vous tous. Hop. Essayons encore une fois. Tiens-toi tout près du mur. Ça va comme ça. Tout le monde me regarde bien. Youpi! Merci d'avoir bien tendu ton cou. Et il monte. Plus haut. Toujours plus haut.
et... Un peu de respiration artificielle lui fera du bien. Et attirant son encore le dessus. Si je ne peux grimper dessus, personne ne le pourra. Personne ne le pourra. Pas moyen de passer par-dessus le mur. Ah. Pas de chemin à travers le mur. Pas de chemin qui contourne le mur. Pas de chemin par-dessus le mur. Pas de chemin par-dessus le mur. Ce mur a un nom que peuvent voir ceux qui comprennent. Péché. Les gens essayent par toutes sortes de moyens de franchir le mur que constitue leur péché. Certains essayent de passer au travers, d'autres de le contourner. Ou de passer par-dessous ou par-dessus. Mais il n'y a aucun moyen de se débarrasser de ses péchés. Par ses propres efforts. Écoutez ce que dit le livre de Dieu, la Bible. Vos péchés mettent une séparation entre vous et Dieu. Mais Jésus a abattu ce mur de séparation. Afin que tous ceux qui veulent venir à Dieu puissent le faire à cause de ce que Jésus a fait, en mourant sur la croix pour le pardon des péchés. Si vous vous trouvez du mauvais côté du mur et que vous voulez aller à Dieu, écoutez ce que dit Jésus. Venez à moi, je suis le chemin. Oh.